Est-ce que la galanterie existe toujours Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Alors vous vous demandez, mais que se passe-t-il dans notre société Pourquoi les hommes ne sont plus assez masculins Pourquoi ils ne prennent pas les décisions Pourquoi ils ne vous apportent pas Et surtout, où est passée la galanterie Depuis quand un homme ne pense pas à payer l'addition Je pense qu'on est dans une société qui est en pleine mutation. Comme vous le savez, il y a de grands débats aujourd'hui qui se mettent en place dans tous les pays, pas forcément qu'en France, pour que justement les droits de la femme soient reconnus au même niveau que les droits des hommes. Et c'est tout à fait normal. La seule problématique que ça crée, c'est qu'en matière de séduction, de charme, d'attraction, ça rebalance les cartes. Combien de fois j'ai rencontré des femmes qui me disent, mais Alex, moi jamais j'accepterai qu'un homme m'invite au premier rendez-vous. Je veux payer ma part. Et en fait, aujourd'hui, il y a des hommes qui se retrouvent dans cette situation où ils ne savent plus comment agir exactement. Alors, la galanterie, elle est toujours présente. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans le mode de séduction. Un homme, il attend d'une femme qu'elle soit complètement ouverte et qu'elle puisse inspirer cet homme. Donc c'est à vous désormais de relancer quand il y a des blancs. C'est à vous parfois de faire des premiers pas, souvent implicites, je vous en parle, avec votre échange de regards, votre échange de sourires, le fait de poser des questions, de s'intéresser à la vie d'un homme. Ça va tout de suite, tout de suite montrer qu'il y a une vraie alchimie entre vous. Et là, l'homme, je pense qu'il n'aura aucun problème à vouloir vous inviter, à vouloir vous surprendre, à vouloir vous montrer également bah, qui il est réellement. Sinon vous allez rester dans des relations qui vont être un petit peu abruptes, et surtout où il n'y aura pas vraiment de galanterie. Et ça, je sais que ça vous perturbe, mesdames. Donc comprenez bien que la galanterie, elle est toujours présente, mais que certains hommes, la majorité des hommes, ne savent plus comment se positionner en matière de séduction. Quand ils sont trop entreprenants, ben on va leur dire qu'ils sont un petit peu harcelants. Quand ils ne sont pas du tout entreprenants, ben vous allez vous plaindre. Et donc finalement, derrière, ça crée... De, de nombreux doutes, notamment pour les hommes qui sont plutôt timides, qui ne sont pas ouverts à la séduction. Pourquoi je vous fais cette vidéo, mesdames Parce que j'ai envie que vous arriviez à savoir comment mettre un homme en confiance. Je sais que vous allez me dire, mais attends Alex, c'est quand même à lui de se bouger les fesses. La réponse est oui. Mais c'est important que vous le mettiez en confiance pour qu'il soit pleinement lui-même et que derrière ça crée une relation qui soit vraiment épanouissante. Si vous avez des questions, si vous voulez partager vos anecdotes, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de savoir si vous pensez que la galanterie est morte ou pas. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce bleu et surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube. On est la première communauté du bonheur en amour et on se bat pour la galanterie, pour l'excitation, pour une séduction qui soit réussie et pour une vie de couple qui soit heureuse. Je vous dis à très vite mesdames pour une prochaine vidéo. Ciao ciao